Excellent. Alors, qu'est-ce que c'est que c'est? Healing Heart, pierre magique avec le cœur d'une déesse pleine de miséricorde. Sans le heal. Équipe, amulette. Alors, augmente la capacité de récupération d'énergie en daily trigger. Ah, donc ça améliore mon soin quand je me transforme. On va rester sur la puissance hein, pour le moment. Mais très bien. On peut avoir un truc un peu plus défensif. Parce que. Ah oui, merci Les. Arsenal au complet, succès déverrouillé. Épée gravée d'un serpent, elle n'est pas puissante, mais a une longue allonge. D'accord, donc c'est plus de range, mais moins de force. Moi, je veux la force. Si je veux de la range, j'ai déjà... J'ai déjà mes flingues pour ça. Vous sentez que le mouvement du monde et des démons atteint son paroxysme, vous devez libérer un autre pouvoir. Il ne reste plus que une sphère bleue. Que j'ai loupé hein, déjà, apparemment, sur le chemin. Là. Aïe. Si j'avais complètement combattu ces singes là ou pas. Parce que du coup je fais peut-être ça pour rien. Je sens que je les avais combattus. Par contre il y a tellement d'orbes là, c'est mort. Je prends. Je veux tout. Voilà, 3600 quand même. Alors, est-ce qu'on a un truc par ici? Il va y avoir un orbe quelque part. Question est où? Peuvent jouer avec les plans de caméra pour nous cacher des choses supposées non ça respawn c'est obligé supposées assez simples. Ok, je ne vois pas de oups là, je vois pas d'orbe par là. On revient là où on était avant, ok. Alors ça c'était la lune. Ce n'est pas la sphère que vous cherchez. Aïe, tout va bien. Et là on revient là où on était au début. Donc il y a vraiment un endroit où je loupe une sphère. Mais je pense que c'est cet endroit avec les gouttes parce que c'est une aire qui est assez grande. C'est une aire qui est assez grande et non, ça respawn à mort. Ça respawn à mort, donc on s'en contrebalance. Elle est assez grande et avec les plans de caméra, ça peut être très facile de cacher quelque chose. Ah vache, c'est dégueulasse, c'est une espèce de larve contre le mur.
C'est immonde. Par contre, le taux de respawn là. C'est pas une bénédiction, hein. Si je suis le chemin entre guillemets normal, sans jumper sur les bâtiments et tout ça. Alors, extension là je suis bloqué d'ailleurs, mais. J'ai un bordel, je suis obligé de jumper sur les bâtiments. Ok. Ah si, y'a pas un petit. Quelque chose plein de sympathie. Là on arrive de l'autre côté. Et là on revient là où on est au début. Ah non, je pense que ça va être sur les toits du coup. Hein. Oh, ouais, les trucs là-haut. Ouais, les trucs là-haut, à mon avis, ça doit être là-haut. Si je fais ça, ça, yes, c'est là-haut, merde. C'est chiant. Système de visée, là, c'est embêtant. On va péter tout ça. C'est bon, on a trouvé le dernier orbe. La dernière sphère bleue pour ouvrir le passage vers le monde intérieur. J'ai l'impression que c'est un truc récurrent dans la série. Ou vers la fin, on arrive toujours vers le monde intérieur et c'est la danse à devenir organique et dégueulasse. Et après, il y aura 2-3 trucs à faire en plus, quoi. Ce qui veut dire qu'on doit être plutôt proche de la fin du scénar. Alors après, il y a le fait qu'il y ait deux campagnes aussi, hein, avec qui est la deuxième campagne, on apprend certainement plus de choses sur pourquoi... Enfin, pourquoi. Comment cela se fait-il que finalement... c'est quoi, c'est Lucia? C'est plus le nom de notre protagoniste. A été créé par le grand méchant et ainsi de suite, mais... T'as vraiment peu de choses, qui changent au niveau, par contre, des levels, des boss et tout ça, que... On va faire uniquement la campagne de Dante, et après on passera sur le troisième opus. Non, c'est pas là qu'il faut que j'aille. Hein. Je suis en train de refaire le tour. C'est par ici qu'il y a un tournant qu'il faut que je prenne. Voilà. Calme-toi, Dante. Ça suffit. On s'en fiche. On revient ici, et bam! Bonjour! La petite languette. C'est dégueulasse. C'est le monde des démons, hein. C'est la dégueulasserie la plus totale. Oh! Mais qu'est-ce qu'il refait là, lui? Fantôme. C'est vraiment lui, en plus. Juste, il était dans le monde des démons, il était de passage. Par contre, Fantôme, lui, il était chaud en premier. Donc, mais là, je lui fais des dégâts tout le temps, en fait. Ah non, j'ai fait pas de dégâts quand il fait ça. Et là, j'ai pas Stinger, actuellement. Par contre, j'ai fait des dégâts de beaucoup plus d'endroits qu'avant. Parce que dans le premier, je fais des dégâts qu'à la tête. Hein, donc bon. Aïe. Puis il fait beaucoup plus de dégâts aussi. Bon, c'est Fantôme version deuxième opus. Aïe. Ouais, faut que j'arrête d'essayer de me battre à l'épée parce qu'il est beaucoup. Enfin, j'ai beaucoup plus de commits que ce que j'aimerais.
Ah bon. C'est compliqué hein, d'esquiver dans le jeu. Aïe. Je me suis fait avoir comme un bleu. Aïe. On est bon. Ok. Ah du bien, pas comme les autres, succès déverrouillé. Ah, fantôme. Petit clin d'œil, hein. DMC1. Premier boss. Qui est pas que le premier boss d'ailleurs, parce qu'on rencontre plusieurs fois la majorité des boss du premier DMC. Ah, j'ai assez pour un Blue Orb maintenant. Power Up. Petit Blue Orb. En la vérité, c'est avant tout un plaisir. Mission 15, ils se rassemblent comme des nuages en cherchant le sang sombre du chasseur. Guide des chasseurs, chapitre 11, clause 9. Parce qu'à base, j'imagine qu'on voulait rentrer dans le monde des démons, là. Ah! Faut que je les pète. J'ai un temps imparti pour péter tout le monde, c'est ça? Si je suis en temps imparti, pour qu'on y aille à fond. Et puis elle fait bon dégâts. Bon dégâts au cac. Je pense que je vais garder celle-là. Je vais essayer de l'améliorer hein, si j'ai assez d'argent à un moment donné. Ah! Bien sûr, ça aurait été trop simple. Bien sûr, parce qu'ils attaquent à fond. Les goats. Ok. Sur tout ça. Oh, le pauvre, il était à côté, c'est juste pris le coup d'épée. Sacré des monocorus. Ok, on a gagné. On va reprendre un peu de vie là. Vite là-bas, tellement de récompenses qui m'attendent. Merci. On commence à avoir une barre de vie de bâtard. Hein. Vache. Save data. Next mission. Mission 16. Le chaos empire tandis que le chasseur file vers les cieux. Guide des chasseurs, chapitre 12, clause 1.
Ah oui, ça sert de moyen de transport, quoi. Normalement. Ah, c'est maudit. C'est la collection complète des gouttes là. On va avoir des abysses après, c'est ça? Ah, la prise de catch à chaque fois là. Ok. Très bien. Fait que j'appuie sur... sur B. Oh la vache! Fameuse scène d'ascenseur, hein. Dans les beat'em all, on l'a déjà dit, quand on était dans l'élévateur, mais là c'est vraiment un ascenseur pour le coup. Et on fait le moulinet. Alors, moulinet c'est la vie. Et maintenant on attend. Le temps de boire un petit peu. Ah, c'est bon. J'ai peur, je crois que c'était le bruit pour les monstres qui apparaissent. Une statue. Que pourrait-il se passer? Une statue est là. Donc tout va bien. Ok. Le sol a changé, les murs aussi, j'ai l'impression. Elle est dans les beaux quartiers, hein. C'est un pouvoir, c'est pour moi. Merci. Ah, d'accord. Bonjour, merci. Sacrilège. Génère des distorsions et rapproche le monde de celui des démons. Ouais. D'accord. Apparemment, c'est un objet, ça s'utilise. Vraiment content. On comprend pas beaucoup, mais ça a l'air bien. Prendre ça aussi. Oh ! Blue Orb, excellent ça. Là, je sais à quoi ça sert. Ouais, du coup. Ah, c'était une porte. Très bien. Ah, c'était une secret room! Excellent! Oh, bâtard! Il s'est TP! Saleté de mage. Où est-il? Il est là. Enchanté. J'adore ce que vous faites. Ah, toujours plus, hein! Toujours plus de plaisir. Ah, oh, c'est pas vrai. Saligo. Oh, ça va. Oh, mais y a pas de boue là. C'est la secret room juste pour gagner un peu d'argent, quoi. Secret room du pauvre. Je comprends, il faut que je l'utilise mon objet là ou... À quoi ça sert donc? À quoi ça sert d'être sur la terre? Vous déposez le sacrilège dans la statue maléfique. Ah, d'accord. Un objet de quête en vérité. Oh oui, bonjour. Où suis-je? Ah, ça m'a TP autre part du coup. Dans la version démoniaque du bâtiment. Alors, je pense que j'étais déjà plus ou moins dans la version démoniaque, hein, si je peux me permettre. Alors, c'est pas tous les jours que tu arrives au bureau.
grâce à une bouche pleine de dents, complètement pointue. Qui t'ont fait traverser dans des organes, quoi. Merde à la fin. Bon, ça sent le labyrinthe quand même, hein. Faisait. Ça suffit les TP, c'est interdit. Oh la vache. Ah, ça a l'air bien démoniaque, ouais. C'est nouveau lui? Ah lui, il était chaud lui. Plus maintenant, il doit être en colère. Tu m'as déjà niqué une fois, ça commence à bien faire. Bolverk là. Et sur nous, il est très fort. On va utiliser tout de suite. Il m'a touché, je le déteste. Il m'a retouché, je le déteste encore. Il me touche à chaque fois, il est très très fort. Sur ce couleur, hein, ça fait quand même mal. Bon, j'ai quelques objets de soin, hein, donc ça devrait le faire. Aïe. Il y a un heal ici, ok, très bien. On va essayer de le garder un peu. Aïe. On va peut-être le prendre maintenant. Oh la vache, mais le temps qu'il arrive, moi j'esquive toujours trop tôt, j'ai l'impression. Aïe. Ok, les loups c'est bon. Oh, cette fois ils ont disparu. Ils avaient déjà disparu, hein? J'ai pas l'impression. Ah mais par contre ça c'est terrible. Faut transformer quand il fait ça. C'est bon, t'as fini? Aïe. Bien joué. Aïe 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 aïe, non, 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 non. Ok. Il a pris cher, moi aussi. Trop tôt. Oh stylé, j'avais jamais vu ce coup là. Ok. Ah, il est toujours aussi appréciable. J'ai du mal par contre à me faire à sa vitesse de dash, il est trop lent. Genre, à chaque fois je m'attends à ce qu'il commence son dash et il soit direct sur moi, mais en fait non. Et du coup il y a un petit temps de délai et je me fais avoir à chaque fois.